Monsieur le Préfet, euh, Madame la déléguée générale et fondatrice de Ville Internet, chère Florence Durant-Tornade, euh, je, je, je profite de cet instant pour excuser euh, des parlementaires qui n'ont pas pu nous rejoindre et euh, Philippe Duron qui était euh, des nôtres euh, tout à l'heure. Euh, je salue les directeurs et responsables euh, régionaux, départementaux, les élus. Euh, euh, Outre, euh, comment dirais-je, Normandie, les élus euh, normands, les élus départementaux, les élus de l'agglomération, euh, les, les élus des, des, des communes, les responsables, eux aussi euh, régionaux, euh, départementaux, euh, plus locaux. Je salue euh, les responsables d'entreprise et euh, singulièrement le pôle test qui nous a été présenté euh, tout à l'heure. Je salue les responsables associatifs, les, responsables des, enfin, les représentants des, des usagers. Mesdames, Messieurs, je voudrais euh, dire combien je suis euh, très heureux euh, d'accueillir euh, euh, Jean-Vincent Placé à Fleury-sur-Orne, de l'accueillir parce que c'est toujours un honneur pour le maire d'une commune d'accueillir un membre du gouvernement. Mais euh, c'est peut-être plus particulier en ce qui le concerne parce que... Si, euh, monsieur le ministre, vous me permettez l'expression, vous êtes un fleurisien. Et donc, euh, c'est bien euh, avec euh, cette euh, qualité que euh, je vous accueille chez vous, finalement, euh, pour euh, ces troisièmes assises territoriales de l'identité numérique, qui, si vous me le permettez, me donneront l'occasion de dire quelques mots de fleury sur orne ville que vous connaissez. Donc, je rappellerai euh, peut-être deux faits, euh, deux caractéristiques de cette commune, euh, singulièrement à vous qui êtes férus d'histoire. Parce que euh, d'abord, euh, cette commune a connu euh, de manière millénaire euh, l'extraction euh, de, de la pierre de Caen, je le rappelais euh, ce matin, et qu'elle a, euh, c'est une vérité historique, euh, contribué à construire avec Guillaume le Conquérant la Tour de Londres. Et puis, euh, d'autre part, parce que cette commune euh, était habitée, voici un peu plus de, de, de 6000 ans, par euh, une euh, peuplade d'Allemands, et que, chemin faisant, elle a... Euh, euh, acquis euh, le nom d'Allemagne et que euh, ses euh, habitants étaient euh, des Allemands. Et euh, comme on peut le comprendre, en 1916, au cœur du euh, premier conflit mondial, alors que la bataille faisait rage euh, autour euh, de Verdun, autour de, euh, de Douaumont, et eh bien euh, euh, le conseil municipal a souhaité changer de nom. Et il a choisi d'honorer cette commune de Fleury-devant-Douaumont. Entre, vous savez, les frontières ne sont pas grandes entre Douaumont et Fleury-devant-Douaumont, là où se retrouveront le président français et la chancelière allemande dans quelques, quelques semaines, le 29 mai précisément, pour rassembler nos peuples autour de cela. Mais en tout cas, à l'époque, euh, le, la commune d'Allemagne, euh, d'alors, son conseil municipal, a fait le choix euh, d'honorer la commune de Vendouaumont. Choisi, elle a choisi le nom de Fleury et pour lui donner une dimension euh, géographique, sans doute, puisque le fleuve Orne euh, irrigue notre commune, eh bien, elle a rajouté sur Orne. Nous sommes euh, donc devenus des fleurisiens en même temps que euh, la commune s'appelait euh, Fleury-sur-Orne. Je voudrais. Euh, donc après Vannes, après Lille, euh, avec ce relais que nous avons porté aujourd'hui, le transmettre à celles et ceux qui vont prolonger notre démarche à Beauvais, à Verdun, à Dijon, à Mulhouse, un jour sans doute en apothéose en Ile-de-France. Nous avons évoqué de nombreux sujets et à chaque fois positionné l'usager au cœur de l'ensemble des sujets que nous avions à traiter en termes politiques, en termes d'investissement, en termes d'usage. Nous avons en effet rappelé combien il était essentiel que l'usager soit au cœur de nos préoccupations. Nous avons positionné aussi la logique des petits pas, nous ne sommes pas des Henri Kissinger pour autant, mais en tout état de cause, nous avons positionné cela comme étant des petits progrès du quotidien qui permettent souvent d'avancer plus vite qu'en rêvant. Et finalement, en considérant, c'était une image utile, me semble-t-il, qu'a évoqué l'un de nos collègues, que pour aller de la Terre à Mars, il y a souvent une étape utile au niveau de la Lune. Le numérique a été également évoqué comme un objet d'inclusion, à la fois économique, sociale, un objet d'inclusion politique, au service de la population, en jeu fort, en effet, qui se pose à nous aujourd'hui au travers des données. De leur propriété, de la sécurité des systèmes, de la sécurité des données elles-mêmes, et donc la responsabilité qui est celle de l'ensemble des acteurs publics et peut-être plus directement l'enjeu euh, des euh, responsables des collectivités euh, territoriales. Nous avons évoqué bien évidemment la nécessité de développer la culture du numérique, le réflexe et avec des réflexes en faire un réflexe, en faire, euh, euh, comment dirais-je, quelque chose de fondamental, et puis un certain nombre de paradoxes qui sont peut-être liés à... À tout cela, à la fois euh, des jeunes très euh, à l'aise avec ces sujets qui sont capables de confier leur euh, identité numérique euh, au euh, fameux GAFA, mais qui en même temps ne vont pas confier un document administratif simple à euh, une administration auprès desquelles ils euh, résident. Et en même temps, euh, cette euh, frontière, cette barrière qui peut exister à un moment ou à un autre entre les usagers et euh, le, le numérique. Et donc, dans cette perspective, nous avons eu, parce que je parlais de confiance, une présentation extrêmement aboutie, vous l'avez ok, Madame la Déléguée Générale, de France Connect, et un certain nombre de perspectives dont nous avons cru comprendre que l'État, le gouvernement s'apprêtait à faire quelques annonces dans les semaines, peut-être les jours, je ne sais pas, peut-être nous le direz-vous, qui viennent. Nous avons posé ou évoqué les questions qui se posent aux collectivités locales. La question de la fracture numérique, bien évidemment, euh, qui renvoie euh, eh bien, euh, à des questions d'accès, euh, à des questions peut-être aussi parfois euh, qui relèvent euh, de l'illettrisme, par exemple, de la capacité euh, pécuniaire d'accéder, et donc euh, des, des plus globalement des usages aux outils de, de médiation, de, de modernisation en profondeur des, des pratiques lorsqu'elles s'adressent, et, et donc le, le, la manière dont chacun des acteurs est susceptible de se positionner. Sur ces sujets. Nous avons évoqué euh, l'opportunité la, la, qu'offre euh, la dématérialisation avec euh, la notion de faire plus pour ceux qui en ont le, le plus besoin, euh, avec une, un questionnement sur euh, cette dimension de service public et peut-être pourrez-vous -nous, pourrez nous éclairer sur euh, l'accompagnement que euh, l'État est en capacité d'apporter aux collectivités locales et à l'ensemble des acteurs qui sont positionnés sur ces sujets en matière de simplification, en matière euh, de multi euh, service, en matière d'accessibilité, en matière de cohésion sociale, de services publics et euh, peut-être à un moment ou à un autre sur le champ euh, des budgets, sur le champ euh, bu budgétaire. Euh, nous avons euh, évoqué euh, euh, cet élément de confiance qui était transversal dans l'ensemble de nos travaux pour euh, recréer sans doute ou en tout cas renforcer, renforcer la, la confiance au travers euh, de nouveaux usages euh, et toujours pour et autour des, des usagers. Euh, et, euh, L'un d'entre nous euh, évoquait ce matin, euh, je crois que c'était Fran Franck Agagniat que nous connaissons l'un et l'autre, euh, qui disait, euh, enfin, qui citait Rabelais en disant euh, Science non :« Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. » Sans doute pourrons-nous méditer longtemps autour euh, de cette euh, citation de, de Rabelais. Voilà, nous avons ouvert quelques perspectives. Positionner les tiers-lieux comme étant sans doute des éléments à la fois d'innovation et d'expérimentation, porteurs de capacités à progresser collectivement, à installer de nouveaux systèmes et des cadres de référence. Peut-être pourra-t-on un jour positionner le numérique comme une grande cause nationale. Euh, avec des éléments qui peuvent porter sur la traçabilité des données, sur les nouvelles responsabilités que j'évoquais, sur la transversalité, sur la globalité, sur le changement de paradigme, les nouveaux usages, les nouveaux droits, un nouveau modèle ou deux nouveaux modèles, la transformation numérique de la société, bref, des choses qui pourraient peut-être faire parallèle avec le développement durable dont je sais qu'il vous est cher. Et puis, euh, eh bien, en, en, en conclusion, je dirais que eh bien, le, le sujet du numérique, c'est aussi le, la, le sujet de la manière dont on fait aujourd'hui euh, société. Et puis, euh, eh bien, je voudrais, Monsieur le Ministre, vous souhaiter euh, bienvenue à Fleury-sur-Orne et vous remercier d'avoir répondu à l'invitation à la fois de Via Internet, de l'agglomération la, de, de Caen et de Fleury-sur-Orne. Merci beaucoup. C'est sérieux là. Monsieur le préfet, euh, cher euh, Laurent Fiscus, euh, Monsieur le Maire, cher euh, Marc Serf, euh, tu m'en voudras pas, j'espère, te tutoyer pendant euh, mon intervention, parce que euh, euh, nous nous connaissons depuis quand même, je crois, euh, 26 ans. Hein. Alors il faut se méfier parce que euh, dans quatre ans, nous serons des amis de 30 ans, donc euh, on sait que la... Euh, le, le cap est difficile à, à franchir pour l'amitié, mais euh, depuis 26 ans, euh, nous nous connaissons et j'ai la chance en effet, parce que tu as dit que j'étais presque un fleurisien, de bien connaître la ville de Fleury, parce que euh, l'amitié étant là, et eh bien, nous avons eu l'occasion euh, euh, de... Réfléchir beaucoup sur l'avenir du monde, mais parfois aussi autour d'un bon verre ou d'un bon repas. Je n'oublie pas les déjeuners à l'auberge de l'île Enchantée, dont je sais que cette auberge fait encore le ravissement de tes administrés, même bien au-delà dans le département. Je me souviens aussi des, des réunions avec Claude Leclerc, avec Michel Maury, avec tous bon, les amis bonjour. qui... Était auprès de toi, euh, Claude, qui était euh, maire, qui je crois est le maire honoraire. Et je le saluerai bien sûr tout à l'heure. Michel, qui était euh, son premier adjoint, et toi, qui étais déjà un jeune, brillant et moderne adjoint euh, auprès d'eux. Je salue bien sûr les, les élus ici qui sont présents. Euh, et puis je salue Mme Durnand tanard qui est là, qui est la déléguée générale de Ville, et, euh, ville Internet, Village Internet. Et. Euh, que nous connaissons, nous connaissons bien maintenant, parce que j'étais à Montrouge pour ma première sortie ministérielle, je crois, quelques jours après ma prise de fonction, et j'avais déjà tenu à venir, et aujourd'hui je fais mon premier déplacement. En région, je ne dis pas province, que comme je viens d'ici, à chaque fois, on a toujours un petit peu l'impression que quand un euh, Parisien, ce que je ne suis pas, euh, car je suis vraiment d'ici, euh, quelqu'un dit euh, la province, ça paraît un peu euh, péjorative, et donc euh, je préfère dire euh, région. Et euh, si évidemment, euh, je suis venu ici pour ce premier euh, déplacement, c'est évidemment par amitié pour euh, Marc, et je viens de le dire, pour euh, aussi la belle cause qui est euh, celle de Ville et Village Internet. Et puis aussi, je l'assume de le dire, parce que euh, il s'avère que je suis arrivé euh, il y a euh, 41 ans maintenant, ce n'est pas hier, euh, euh, de, de très loin, de, de Corée du Sud. J'ai eu la chance d'être adopté par euh, une famille de, de Normandie qui est à Caen. Mes parents sont toujours à Caen, et, et ça me fait évidemment très plaisir de. de de voir que les boucles peuvent se boucler. Certains, paraît-il, me, me reprocheraient d'avoir trop d'ambition, mais parfois j'ai envie de leur dire très gentiment que quand on arrive à 7 ans comme cela, de nulle part, et qu'on a cette chance formidable d'être dans un pays comme la France, d'être accueilli et intégré dans d'une famille de gens qui vous aiment, eh l'ambition ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est l'ambition, c'est quelque chose qui porte. Voilà. J'espère que ça peut être utile pour les autres, et ça me permet de saluer Claude Leclerc, le maire honoraire de Fleury-sur-Orne, que je t'ai déjà cité, cher Claude, en plus je suis très à l'aise parce que tu n'as pas changé. Hein, <laughs> Donc viens, viens s'il te plaît au premier rang, dans, chez toi, chez toi, dans les locaux municipaux. Alors euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire de, de vos travaux qui ont été très euh, studieux, euh, très sérieux Le compte-rendu qu'on vient d'en faire, remarque, euh, montre d'ailleurs euh, l'aspect exhaustif de tout ce que vous avez pu dire. Donc, je ne sais même plus trop ce qu'il ce qu me reste à dire, mais je tiens déjà bien sûr à saluer votre travail. Il est euh, extrêmement important qu'aujourd'hui, que les projets de transformation numérique et de simplification des démarches des euh, citoyens fassent l'objet d'un suivi régulier. On le voit, nous venons... Euh, avec le préfet de faire une réunion de travail à la Chambre de Commerce et d'Industrie auprès d'entreprises qui, le moins qu'on puisse dire, étaient quand même avec tout à la fois des propositions mais aussi des critiques par rapport à leurs relations avec l'administration, par rapport aussi aux opérateurs publics de façon générale, et y compris à l'URSSAF, par exemple. Je ne veux pas ici jeter l'opprobre sur ces structures, mais on voit que malgré le dévouement de... Des agents du service public, on voit que quelque part, il y a une dégradation de confiance, qui est d'ailleurs, je le dis très euh, aisément, euh, en le regrettant et en essayant de lutter contre, qui est un peu similaire à celle que nous subissons, nous, euh, les responsables politiques, même s'il y a une fonction qui échappe globalement euh, à l'opprobre général, c'est celle de maire. Et je pense qu'il y a euh, une raison euh, particulière à ça. C'est que euh, les élus, les parlementaires, parfois les élus régionaux, cela paraît très distant. Et euh, on subit tout à la fois la distance et la question de la complexité et euh, de, euh, du manque de, euh, de proximité. Ce qui fait que euh, les usagers aujourd'hui, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des citoyens, ont une relation qui est un peu similaire avec l'administration. Et donc il nous faut absolument trouver des solutions. Pour arriver à restaurer la confiance vis-à-vis -vis de l'administration, vis-à-vis du service public. Et moi, je pense profondément que la révolution numérique, et moi, je suis vraiment très heureux de, de voir l'engagement de l'association, de voir aussi à quel point, en quelques années, vous avez réussi à mettre en réseau, à intéresser, à motiver autant de communes. Et on voit aussi que ce ne sont pas seulement les grandes communes. C'est ce que j'avais dit à Montrouge en remettant le prix à Marc Le Serf pour la ville de Fleury. Marc Le Serf, cela fait très longtemps qu'il est engagé sur le sujet. Alors, ce sont les prix de 1 à 5 arrobas. Je, je sais que vous connaissez ça. Et là, on est arrivé quand même à euh, la consécration suprême pour une commune de euh, 5000 habitants, ce qui démontre justement qu'on peut tout à la fois allier la proximité de terrain, la taille d'une ville et arriver à avoir une excellence sur les questions euh, du numérique. Et cette nécessité-là, en associant tout le monde, et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter, Madame la déléguée générale, parce que. Vous avez pris votre bâton de terrain, comme on dit, vous êtes allé voir tout le monde, de l'Europe, au gouvernement, les collectivités locales, les associations, les entreprises. Je crois ici d'ailleurs qu'il y a qu'il y avait la responsable d'Orange, hein, ce qui je me permet de vous saluer, parce que je sais l'engagement aussi de votre entreprise sur le développement territorial et justement le développement numérique des collectivités, et ça me paraît extrêmement intéressant. Et euh, cette vision euh, d'ambition de la révolution numérique, c'est, il me semble, un, un élément essentiel de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour l'avenir de notre pays, pour justement restaurer cette confiance vis-à-vis -vis des, euh, des usagers. Vous avez cité euh, France Connect. C'est un vrai enjeu. Hier, j'étais euh, avec le président de la République au, au sommet franco-italien. Et euh, il y a, euh, ce sont des réunions bilatérales, donc les sujets qui sont évidemment très importants, la défense, les affaires étrangères, euh, la culture, l'éducation, l'économie. Et aussi, il y a eu une réunion sur la simplification euh, administrative et euh, l'administration publique et sa modernisation. Parce qu'il s'avère aujourd'hui que ça devient aussi une priorité des citoyens. Et ça est perçu comme ça. Il y a euh, cette fonction, la réforme de l'État à simplification, une fonction similaire dans à peu près tous les pays de l'Union européenne, cela se développe. Et en même temps, il y a cette révolution numérique qui s'opère et qui permet justement d'avoir ce bras armé. Vous avez parlé de France Connect. France Connect, ça va être une révolution. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté face à l'entité Internet, face encore à cette complexité. Et cette complexité, elle est difficile à appréhender pour de nombreux publics d'ailleurs parfois les publics les plus défavorisés, les plus éloignés de euh, l'Internet, parfois les seniors. Et donc on a un, un, un double enjeu, on a à améliorer, accélérer, on a à simplifier, on a même à libérer pour les entreprises en particulier, et tout à la fois à conforter, c'est-à-dire que cette amélioration du service, notamment par le numérique, doit nous permettre de conforter les liens sociaux dans notre pays qui, aujourd'hui, en termes territoriaux, sont bien distendus. Je pense aux territoires ruraux, je pense aux... Au quartier populaire, je pense aussi à des publics qui, malheureusement, d'une part, déjà ne voient plus grand monde, parce qu'il y a, euh, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les distances, les dislocations dans les familles, les isolements, et qui ne voient même plus le service public physiquement. Donc on doit arriver à faire les deux, et c'est cet enjeu-là, la révolution numérique, c'est-à-dire tout à la fois faire en sorte que celles et ceux qui sont en situation puissent voir tout cela s'accélérer, et puis celles et ceux qui sont un peu sur le côté, eh bien, ne soient pas justement euh, au bord de la route, euh, laissés euh, de côté. Donc euh, je pense que votre engagement à saisir localement ces opportunités offertes par euh, le numérique est la réponse pour les Françaises et les Français qui sont confrontés tous les jours aux incertitudes et aux doutes et qui peuvent compter sur notre engagement et notre enseignement commun. L'État change parce qu'il doit changer. Nous en avons parlé tout à l'heure avec M. le préfet, nous avons une réunion avec euh, la préfète de la région euh, Normandie, je ne sais pas si elle va s'appeler Normandie, parce que le, officiellement, cela, de, cela doit se décider dans euh, quelques semaines, dans quelques mois. Et il y a un enjeu aussi qui est intéressant par rapport, euh, et je m'écarte un peu du sujet des territoires euh, numériques au sens strict ou des villes numériques, mais c'est comment on peut faire les révolutions numériques au sein de l'État. Euh, la fusion des régions doit nous permettre de réfléchir à ce sujet. J'ai vu hein, l'ensemble des directeurs régionaux qui étaient là, que ce soit l'emploi, que ce soit la culture, que ce soit les affaires sociales, que ce soit l'alimentation, l'agriculture, la forêt, enfin tout le monde était là, le recteur était là, bien sûr, et c'était une réunion très intéressante parce qu'on euh, a posé les questions de... De fusion administrative, des personnels, des façons de travailler. Mais même, par exemple, sur les façons de travailler dans ces régions, pour apporter plus de services aux citoyens, la révolution numérique va être extrêmement utile. On doit pouvoir monter, ce que vous avez dit d'ailleurs, des communautés partenaires, de réseaux, sur chacune des thématiques, et sans d'ailleurs chercher à cloisonner. Et cette ouverture de la révolution numérique va nous permettre, je l'espère, D'ouvrir cette administration, d'ouvrir les services déconcentrés, de faire en sorte qu'il y ait des synergies avec les collectivités locales. Parce que, par exemple, comment vont travailler les services de l'État avec les services des conseils régionaux Et parfois même, c'est tout simple, c'est la directe, par exemple, elle va être à Rouen. Eh bien, comment va s'adapter le conseil régional de la Grande Normandie par rapport à cette logique-là Donc, il y aura tout à la fois des visions de regroupement et absolument des visions nécessaires. De proximité. Donc, c'est le même débat que vous portez sur la relation de l'usager vis-à-vis euh, du service public globalement, de ce qu'on doit faire de façon déconcentrée, de ce qu'on doit faire au niveau des collectivités territoriales. Et cette simplification, cette possibilité d'être directement en phase avec toutes les administrations, qu'elles soient nationales des collectivités territoriales ou déconcentrées, cela me paraît être un moyen extrêmement utile pour favoriser la cohésion nationale et la cohésion sociale que nous recherchons. Alors, il y a, vous en avez parlé, Madame la Déléguée Générale, un autre enjeu extrêmement fort pour la France et pour le monde entier, c'est la question de l'open data. Et nous, euh, nous avons la chance d'appartenir à la France à un réseau qui s'appelle Open Government Partnership, donc euh, partenaire pour un gouvernement ouvert en français, qui consiste à essayer de renouer le dialogue avec les citoyens, non pas seulement dans une relation de service ou euh, de demande ou de prestation, mais pour le coup, et euh, la journée. Euh, D'aujourd'hui peut évidemment illustrer la relation que doivent avoir les pouvoirs publics ou le gouvernement avec les citoyennes et les citoyens, c'est la nécessité très en amont de discuter, de coélaborer, de produire ensemble, d'évaluer ensemble y compris parfois d'expérimenter et de revenir sur les choses enfin bref il faut beaucoup plus de souplesse dans ce que fait la puissance publique et dans ce que fait ce que font les dirigeants et ça c'est la question notamment de l'open data et de voir comment on peut partager l'ensemble des données dans une éthique et une transparence absolue pour faire en sorte que tout ce qui est fait par un gouvernement, soit vu en amont dans une discussion. Par exemple, pour la loi sur la République numérique qui a été présentée par Axel Lemaire, ma collègue qui, justement, est en charge l'économie numérique. Il y a eu une consultation en amont, une consultation numérique. 25 000 retours, et pas des, que des critiques, des critiques aussi, mais des propositions. Cinq articles de la loi ont été rédigés suite à cette consultation. 80 amendements ont été pris. Justement, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de distorsion démocratique, que ce soit que ceux qui ont accès à cet outil qui puissent peser, parce qu'il faut bien sûr écouter les autres. C'est le sens d'ailleurs de la légitimité populaire que malgré tout on peut avoir dans euh, le régime euh, parlementaire. Mais cette façon de faire est essentielle. Et aussi, il faut essayer d'éviter ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des lois qui euh, sont euh, systématique et euh, global. Il faut développer l'expérimentation, il faut développer la diversité des propositions, il faut faire en sorte que ce soit les expériences venues d'en bas, comme on dit, qui remontent, qui puissent même, de façon dérogatoire au départ, euh, s'exprimer, qu'il puisse y avoir des politiques qui se mettent en place avec euh, bien sûr euh, un agrément euh, légitime d'une collectivité ou du Parlement, mais vraiment faire en sorte qu'on arrive à cette démocratie euh, sociale, cette démocratie écologique, cette démocratie euh, numérique qui est euh, l'avenir de demain dans cette relation-là. Et donc ce partenariat pour un gouvernement ouvert regroupe aujourd'hui 69 pays. La France est dedans. Nous allons d'ailleurs présider euh, cette structure à partir de, de septembre. Et je pense que, et j'ai eu l'occasion de le dire, il y a une... Une compétence essentielle que nous devons saisir, c'est avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que c'est encore au niveau euh, national, mais moi je souhaite qu'il y ait tout à la fois une déconcentration, je viens de le dire, de ce gouvernement ouvert et au niveau des collectivités territoriales. J'ai déjà alerté, parce que je suis élu en Ile-de-France, euh, au niveau du conseil régional, au niveau de la mairie de Paris, au niveau de l'ensemble des collectivités. Ça doit être un mouvement euh, permanent. C'est comme cela, je pense, qu'on va pouvoir retrouver. La confiance de nos concitoyens et concitoyens, je viens de le dire, en améliorant les procédures, en étant plus efficaces, plus proches, en simplifiant pour être vraiment au niveau du dévouement. Parce que je vous donne un exemple très simple. Il y a des prestations les plus sociales possibles, type RSA, qui ne sont pas du tout touchées parce que personne ne sait, dans ce public-là, 35% des gens, qu'ils y ont droit y ont droit. Eh bien, les outils dont je viens de parler, ça doit permettre d'aller les chercher. Bien sûr, on peut physiquement aller les voir en tapant à la porte, mais ça doit compléter le porte-à-porte, -porte, si j'ose dire. C'est quelque part le porte-à-porte -porte du service public. La révolution numérique que nous promouvons. Et France Connect, pour moi, c'est ça, cette finalité-là. Et le fait de pouvoir élaborer autrement, eh bien, forcément, ça permet de, de, de faire en sorte qu'on élabore autrement, qu'il y ait un volontarisme, qu'il y ait une participation, qu'il y ait une volonté de faire ensemble, que cela se réalise davantage. Parce que, moi, je le dis, j'ai été vice-président au transport de la région, je passais beaucoup de temps à faire la concertation. Les gens me disent « Ah, mais tu perds beaucoup de temps ». Je lui dis « Non, j'en gagne ». Parce que, moi, les projets que je monte, alors parfois, ça ne marche pas toujours, Bon, c'est normal, mais... On prenait le temps et on faisait cette, ces discussions. Et à la fin, c'était plus accepté lorsqu'on avait fait les discussions que lorsqu'on arrive de façon brutale en disant voilà, le tracé du tramway, il est là. Bon, là, vous êtes sûr qu'il y a un blocage absolu. Et de la même manière, cela ne peut se faire qu'avec les collectivités territoriales, et gens finirai là. C'est que vraiment, je suis, euh, je suis très heureux. Hein, je, je suis déjà venu à Montrouge, je suis à Fleury-sur-Orde, je, je, je peux venir ailleurs, parce que c'est pour moi, et euh, très sincèrement, et c'est pas parce que je suis là que je vous dis ça, euh, madame la déléguée générale, c'est parce que c'est pour moi le, le prototype de euh, la vie démocratique euh, de demain. C'est faire en sorte qu'on mette en place ces réseaux ces réseaux de citoyens, ces réseaux d'associations, ces réseaux d'ONG, ces réseaux des collectivités territoriales. Et je répète de toute taille, parce que moi, je, ça m'aurait fait de la peine qu'il n'y ait que Paris, Lyon, Marseille ou les grandes métropoles qui soient dans ces réseaux-là. Et c'est ça, la révolution numérique, c'est qu'on soit ici à Fleury-sur-Orne. Je sais qu'il y a des communes rurales qui sont également membres et qui ont reçu des prix qui sont très en pointe. Et, et, et aussi des... Des, des communes qui sont dans les, dans les quartiers populaires où, malheureusement, aussi le service public physiquement a un petit peu euh, disparu. Donc, vraiment, hein, de tout cœur, euh, merci déjà de m'avoir permis de venir euh, saluer mon ami Marc Le Cerf. Merci de me faire euh, retrouver, euh, mes, euh, euh, bon, même si je viens régulièrement, euh, cette terre qui m'a si bien accueilli euh, il y a 41 ans. Et puis surtout, euh, merci pour tout le travail euh, formidable que vous accomplissez. Et je pense que euh, tant qu'il y aura des élus comme vous, des citoyens engagés, eh bien nous pourrons croire avec espérance à la démocratie et j'espère que demain sera meilleur, notamment grâce à vos actions. Je vous remercie beaucoup.